termine avec une rencontre très touchante, c'était samedi. C'est la petite histoire dans la grande qui s'est déroulée samedi à Retonde, où l'armistice a été signé il y a maintenant plus d'un siècle. Emmanuel Macron et Angela Merkel saluent les anciens combattants, les élus, les jeunes, mais aussi une toute petite dame, centenaire, très émue de rencontrer le chef de l'État. Monsieur Macron, c'est pas possible. Une petite bonne femme comme moi, serrer la main du président de la République, c'est fantastique. Peu faites pas pleurer. 101 ans demain, après-demain, 101 ans après. C'est pas vrai. Mais dès le 12 novembre 1917. Né le 12 novembre 1917, c'est son anniversaire aujourd'hui. Mmh. Et aux côtés d'Emmanuel Macron se trouve Angela Merkel. Mais sûrement prise par l'émotion, la petite centenaire est persuadée qu'il s'agit de Brigitte Macron. Alors Angela Merkel va tenter de lui expliquer que non, elle n'est pas l'épouse d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui prend la photo ? Chancelier Allemagne. Regardez les photographes. C'est fantastique. À moi, ça m'arrive à moi, une petite bonne femme comme moi. Mais ne dites pas une petite bonne femme. Merci. Merci mille fois. Voilà, c'était la séquence sourire aussi du week-end, touchante. C'était touchant, pas prévu au programme, mais une séquence d'émotion. Puis, comme quoi les grands de ce monde... Ben oui, ils sont parfois ramenés à des choses... quand même faire attention et être attentif. Chancelier Allemagne, lui explique Angela Merkel. Angela Merkel au creux de l'oreille, qui essaye de se présenter. Oui. Mais...